Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer une nouvelle série de V2. Bon, j'ai déjà pu faire quelques vidéos comme ça, mais on va essayer d'en faire. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et j'essaierai peut-être d'en faire plus. Pour l'instant, je vais peut-être faire une ou deux par semaine, on verra. Et si ça vous intéresse vraiment, bah j'en ferai plus. Et potentiellement, ou pire, en duo même, pourquoi pas. L'idée dans ces games, ça va être plutôt de commenter, de dire un peu ce que je fais, comment ça se passe, etc. Et bah également de passer un bon moment. Donc, on va faire, je pense. Deux games, en général deux games ça sera pas mal, deux, trois, à voir à peu près comment ça se passe. Donc je dis un peu ce que je peux, un peu si j'ai des astuces, évidemment pourquoi pas. Hein. Mais on va parler un peu de tout et de rien. Mais quand je suis tout seul, évidemment du coup c'est un peu plus compliqué d'avoir, comment dire, une discussion très 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 large. Du coup on va parler du jeu pour l'instant. Y a pas de souci quoi. Ouah, bon là, ok j'étais pas dedans, j'étais pas dedans. Là je pense qu'en vrai... avec mon flip là j'aurais pu l'avoir mais je l'ai fait un peu trop tôt. My bad. Donc là je suis 1630. Ceux qui savent pas c'est GC2. Je vais pop pour mon allié. Comme j'ai vu qu'il avait le boost. On va follow mais il a raté du coup. On va pouvoir se casser. Là ça va être très chiant, j'ai deux pads. Faut les récupérer le plus vite possible pour éviter qu'il pré-shoot. Bon je fais un rotor un peu à l'envers. Bon il s'en sort donc ça va, pas de problème. On va pas rester proche, hein. On sait pas vraiment tout à l'heure il a raté. Ça serait quand qu'il rate encore. On a entendu sauter du coup on va attendre. Je voulais tenter une aérienne, j'ai un peu raté j'avoue. On va follow. Cette fois-ci il a réussi, ça se tente. Ok dommage. J'ai essayé de dunk. Je pouvais pas pré-shot autre chose. Je vais le laisser. S'il me l'avait laissé je l'aurais pris évidemment, j'aurais juste patate mais... Très bien joué de sa part là. C'est un classique en vrai ça, tu pousses la balle et tu vois des mots, mais pour le réaliser, faut le faire rapidement en fait, faut prendre la décision très rapidement. Et je suppose que mon allié, j'ai une hypothèse, hein, mais il est possible qu'il soit bon en AV1, il est possible. Ok, je vais le laisser commit, voilà, récupère cette balle, on va la feinter pour obtenir un contre. En fait en défense, ce qu'il faut savoir c'est que dès que tu vas dasher, bah tu ne pourras plus défendre en fait. Du coup moi je dash pas ou j'attends que le mec en face dash en premier. Je prends juste le boost, je voulais pas feinter mon allié. Là, il peut la défendre. Je vais essayer de rota. Il y va. Ah dommage, il a pas coupé la trajectoire. Il est parti sur la droite alors qu'il fallait tout droit là. Du coup c'est pour ça que moi je suis parti sur la droite. Mais bon. En vrai si j'y avais été à sa place là, je pense que je l'aurais eu. Parce que j'ai anticipé la passe. Si on arrive à anticiper la passe, on peut savoir la trajectoire que ça va prendre. À peu près, hein, on se met en mur devant. Dans tous les cas, on peut pas savoir exactement, mais... À peu près. Voilà, il s'est fait avoir. La même pour moi. Bon, heureusement qu'il kebab, mais il y a quand même but. Ouais. Il a fait une rota super large, là. Du coup, il était un peu en retard, et je le savais pas. J'aurais dû attendre. Ok. On va follow. Bon, il y a 1-3, c'est pas très grave. Hein. On prend le boost, c'est génial. On peut peut-être démo. Je vais turn instant pour mettre la pression. Je sais pas s'il y a du boost, mon allié. Il a l'air d'en avoir. En vrai, je vais contrôle. Je suis assez confiant. Bon. J'ai plus de voiture. Ah, j'aurais pas dû aller chercher le boost là. Je pense pas qu'il puisse la mettre. Ok, j'ai bien ici à recover sur le mur, c'est cool. Donc ici toujours on dash pas, on fait gaffe à la démo parce qu'on sait qu'ils veulent le faire. Bon ma passe elle est pas bonne mais il a réussi à la récupérer tant mieux. Ici le rebond est un peu chiant. Je suis quand même allé sur le mur. Je peux prendre un 50 mais assez difficile en vrai. Je suis encore démo. Il joue beaucoup la démo. Hein. Bon il y a mon allié qui va FF. En vrai je pense qu'on peut encore jouer. On va la jouer. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué là. Ça fonctionne pas. Pas du tout même. Je vais récupérer ce boost. On pourra faire une aérienne. Hein. Je suis tout seul. On va tirer en bas. Il va la rendre. Il peut peut-être me la redonner. Non. Ok. Je vais suivre. Il rate du coup. Ok. Pas réussi à la choper. Bon là ça va être dur. Je vais la laisser. On va y aller. Mais je sais qu'il fait des rotas lentement. Donc on va pas le jeter. Je vais la mettre un peu à gauche. Ok, c'était assez facile à prévoir. Je vais y aller. Oh, je la rate. Bon. Ça fake, ça fake. C'était une fake.
On va prendre ça. Il saute. Ok. C'est assez douteux. Mais pourquoi pas. Il y va. Je sais pas s'il a du boost. Il a l'air d'en avoir. Ok. Si tu fais une passe. Cool. Ça s'arrange. Non, bah. Bien joué. Bien joué, bien joué. Excellent but. Quel bait. Ok. Bon, il y a deux buts à mettre en vrai. Hein. Ça va. Hein. Je peux prendre le boost, je pense. Le rebond va être pour moi. Prendre un 50, je peux pas faire mieux. Et ça se passe très très bien puisqu'il a pas sauté. Il n'y a pas cru à mon aérienne. Tant mieux. Plus qu'un but d'écart. C'est un peu la galère. Je vais sauter pour empêcher qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'était très limite avec le boost. Hein. J'ai raté un pad. Je mettais une trajectoire de merde où je sais pas ce que je faisais. Et c'était finito. Oh, il m'a battu. Ok, j'ai réussi à bump, j'espère que ça suffit. Je peux peut-être démo celui-là. S'il me la met à droite, c'est nickel. Ok, l'accélération peut-être. Dommage. Voilà, je chopais. Je vais essayer de démo. Ah, je suis trop lent. Ok, il en passe un. Dommage, j'ai pas de boost par contre, on va juste fake, je pense. Ah, compliqué, j'ai s'il l'a pas. Ok. Warota. Il peut aller la chercher, hein. Voir s'il se fait contrer instantanément. Celle-là, je suis premier dessus. J'ai 10 de boost. J'espère qu'il va me la mettre à gauche. Je le mets au centre, peut-être. Frérot, 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 frérot. Voilà. Hey, il était un peu en retard. Il a pas vu que j'avais la balle. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Ah, il a douté de fou, hein. Il y a pas cru. Pourtant, on est... Quand on n'a pas l'avantage en termes de but... On peut prendre un peu plus de risques, hein, c'est... Parce que sinon on perd la game en fait. C'est assez simple, hein, c'est tout con, mais... Il a pas de boost, je vais le laisser. Tiens bro. Ça pue, mais... Ok, ça va. C'est un peu la galère, s'il me suivait j'aurais pu jouer à 50 ou quoi, mais comme il a pas de boost, c'est un peu... Là... C'est un peu chaud. Non, frérot, mon reset. Bon, si on prend un but, c'est honteux. Non, ça va. Par contre, il m'a chopé ma balle alors j'avais la reset. Il aurait pu attendre encore un peu plus. Je vais taper dans le mur. Je peux la mettre à gauche, ouais. J'y vais. Je reprends le boost. Je vais essayer de taper une double tap. Dommage. Je le bump. Oh, dommage. En vrai, là, je vais fake. Hein. Je peux pas y aller. On va contrôle. Il a pas turn, ok. Il aurait dû, je pense. Petit musty. Ah. Bon, un peu galère, j'avoue. Il me faut du boost, frérot. Je vais aller loin pour éviter de me faire surprendre. Tiens, mon frérot. Tu peux me la remettre ou... Ok. Ça marche aussi. C'est pas fou, mais ça marche aussi. Oh, je me suis jeté. Ok, ça va. On a une bonne game, hein, finalement. Hein. Elle était mal partie, mais on arrive à s'en sortir. Ok, c'est la galère, mais mon allié est là. Le rebond est bizarre. Ah, j'ai fake. Oh, dommage. C'est vraiment dommage. Ok, j'ai tiré en haut. À gauche, oh, bordel, my bad. My bad. Ouais, quel tir. Quel tir, quel tir. Je voulais être sûr, assurer une lucarne ou quoi. Je vais la mettre là, il n'y a personne. Je visais le but direct, je pense. La récupérer, elle est belle, bien joué, c'était un beau match en vrai, hein. C'était excellent comme match, hein. J'ai bien kiffé, hein. Il était très mal parti, mais on n'a même pas eu de GG, rien du tout le frérot, il était dans sa zone, et on passe à division 3 sur ça, hein. On passe à division 3, ok deuxième game, c'est parti, on est avec un 1680, ça joue Octane, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'avant je jouais beaucoup Octane, j'ai décidé de rejoindre un peu Fennec, et pour l'instant ça a l'air de bien se passer. On va voir si ça va durer longtemps, hein, parce que toutes mes périodes Fennec, c'est vrai qu'ils ont duré pas plus d'une semaine à chaque fois. Mais, ok, ça c'est ma balle. Okay. Sans difficulté, j'ai bien follow, il a bien joué. Je vais regarder un peu ce qu'il a fait là. Ok, il a eu le contre, tout simplement, c'est revenu au mid. Un petit peu de réussite et en même temps, il a bien joué, donc tout bénéf. On va pouvoir aller chercher celle-là.
Ok, j'ai pas été assez haut pour la dasher, pour la mettre vers le bas. Du coup, la rota est assez compliquée. J'aurais pu essayer de chercher un bump. Là, je trust, hein. Il va la retoucher encore. Ok, dommage. S'il passait avec son reset, en fait, j'essayais de lire de ses mouvements, c'est pour ça que je parlais pas trop. S'il réussissait à passer avec son reset, j'aurais pu la relever encore une fois. C'est assez dur hein, de suivre quelqu'un qui est en l'air par en dessous et voir s'il peut passer ou pas les joueurs. Et c'est qu'une question de confiance après. Mais là je vois que mécaniquement ça va, il s'en sort. Hein. Je vais fake celle-là. Je vais la laisser, hein, il va la rendre. Il a commit, il a plus trop de boost. Ça laisse un setup à mon allié. On va se remettre en dessous. Hein. Ok, je la mets à gauche. Il a pas l'air d'avoir l'intention de la lâcher d'un de temps en temps. Oh j'ai raté. J'ai fake hein, je pense. Ouh, il a fait un delay. Un delay de flip. Oh, c'est comme ça. À un moment, on disait retarded, mais j'aime pas trop le mot, je t'avoue. comment dire, dans le chat, ils aiment pas trop non plus. Et je crois que tu peux pas m'écrire ce mot ou quoi. Tu sais, il y a des étoiles. Parce que bon, c'est considéré comme une insulte. Waouh, il m'a fait tellement peur à la toucher celle-là. Ah, il y a but, je pense, ouais. Je pensais pas qu'il allait turn sur ça. Je pensais vraiment pas. Et j'ai eu du mal à anticiper sa touche. J'aurais pu le faire en vrai. J'aurais pu anticiper sa touche. Mais je m'attendais pas du tout. Ok, on va se reconcentrer dans la game un petit peu. On va prendre le boost. Ok, aller au-dessus. Là, je vais fake. Hein. On va attendre un peu. Comme mon allié venait de commit. Ok. Je vais le laisser. Ok, dommage. Si je peux prendre du boost, c'est cool parce que là. C'est galère. Ok, nice la démo. Zéro de boost par contre, frérot. Du coup, on prend un 50. Oh, un peu dur, un peu dur, un peu dur. Franchement, elle était un peu dure celle-là. En fait, je sais pas, il est parti full démo. Là, il est parti devant alors que j'avais zéro de boost. Et j'aurais peut-être dû lui dire, je sais pas, mais pour moi, ça me paraissait assez évident. C'est que j'en ai pas récupéré, j'en avais déjà pas. Je sais pas. Sûrement ma faute de lui dire. Ok, j'ai raté. C'est open, ouais, my bad. Le rebond m'a tellement surpris là. Non, c'est très grave. C'est tellement classique sur ce jeu là, les rebonds comme ça. Jamais c'est comme tu veux quoi. Ok, un peu dur. Hein. On a vraiment les pires kick-off. Ça fait 3 balles de kick-off qui sont extrêmement dures. On n'a pas de chance. Il a pas eu le boost donc ouais. Comme ça va être compliqué, mais comme je l'ai eu, je vais pouvoir follow la balle assez rapidement. Dégager. Je vais prendre le boost là plutôt. Je sais pas s'il l'a vu. Ok. Je le bloque. Tu peux sur moi? Oh, la balle elle est trop décollée du mur, c'est vraiment chiant. Ok. Je vais me back, je pense. Chercher du boost tranquillement. On l'a vu faire sa rota, donc on va pas. On va pas se jeter tout de suite. On est 50. Ok. Je peux contrôler tranquillement. Il en reste plus qu'un donc. J'évite juste la démo. Ah, il est parti chercher les boosts à gauche. C'est un peu bête. S'il était derrière, il aurait pu récupérer la balle en premier. En fait, il commit beaucoup sur les côtés pour aller chercher du boost. C'est le problème d'être mécanique, c'est que souvent, on n'a pas tendance à être bien positionné. Et avec les mécaniques qu'il a, s'il se positionnait mieux et qu'il gérait mieux son boost, je pense qu'il serait carrément plus haut. Ouais, mais largement. Mais malheureusement, il ne le fait pas. Ou soit il a pas envie, hein. C'est possible aussi qu'il ait juste envie de faire des mechas et rien d'autre. Ok, du coup, on va récupérer sur le plafond. On va récupérer du boost derrière, hein. Y a pas de problème. Là, on sait qu'il a plus de boost qu'on allait, tu vois, du coup. On va pas le jeter, on va essayer juste de chill. Le temps qu'il se remette bien. Ok, il y va, je sais pas pourquoi. Du coup, je vais y aller en deux temps. J'ai cancel parce que s'il allait vraiment dessus à fond, bah je me serais commit pour rien. Et je pense que c'était plus à moi d'aller la chercher parce que il était à l'envers et pas dans la bonne direction. C'était assez compliqué à voir. Il peut plus mais je me disais que le mec en face allait peut-être le rush. Du coup on va chill un peu. J'ai pas réussi à la cadrer, il n'y a plus le boost. Ah, my bad, j'aurais pas dû me jeter. Bon ça va, c'est pas très dangereux. Ok frérot. Bon la game j'avoue que là pour la gagner c'est un peu compliqué. Mais la game est intéressante du coup je vais la jouer. Genre ça va, c'est pas... Ça joue pas mal, c'est juste qu'on n'arrive pas à se connecter, nous.
Hop, petite passe. Normalement, ça devrait être but. Ok, nice. En fait, en attaque, il se positionne plutôt bien. C'est plutôt en défense. Il a du mal avec les rotas. Et dès qu'il a pas de boost, c'est assez compliqué, quoi. Et surtout, quand il est en l'air, il lâche jamais la balle. C'est pas des mechas très, très rapides. C'est beaucoup, beaucoup de lent. Et du coup, j'ai du mal à suivre ce qu'il fait. Et à l'aider, en fait. Je peux clairement pas le soutenir lors de ses mécaniques. Ok, on va follow. De toute façon, il y a 2-5. Il n'y a pas but, je pense. Ok. Je vais fake un petit saut pour faire commit un peu plus. Bon, j'ai complètement raté là. J'ai rien d'autre à dire. On a réussi à choper un petit bump, mais ça va pas aider. Auto fast. Hop. Dommage. En vrai, avec le bump et tout, il y avait un truc à faire. Hop. Ok, là j'ai vraiment très très mal rota, mais au moins j'ai du boost. Je pense qu'il l'a. Mais il avait pas envie de la toucher. Tant mieux. On est first, mais ouais, il joue trop trop bien le frérot. Pourtant, il a du ping. Hein. Non, en vrai, ils ont super bien joué en face. GG. Bon, on va rester, je pense, sur un format de 2 games. Si vous voulez 3 games, dites-moi, je ferai potentiellement 3 games. Mais le truc, c'est que parler en même temps, pour moi, j'arrive quand même à me concentrer, mais je suis un peu moins bon. Mais en vrai, c'est quand même vachement cool, ça m'empêche de tilt. Donc pourquoi pas refaire et continuer à en faire ça. Et je verrai sur montage s'il faut cut certains moments et tout. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir toute la game. Donc dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo du coup. Ciao ciao!